Florence Parly en visite en Centrafrique. Au premier jour de son déplacement ce lundi, la ministre française des Armées a réaffirmé l'appui de la France au pays, toujours en proie aux troubles sécuritaires. Un soutien dans un contexte où la Russie a renforcé sa présence sur place et a multiplié les investissements ces dernières années. Je suis ici venue pour redire le soutien de la France à la Centrafrique. Je suis aussi venue réaffirmer la nécessité d'une action coordonnée avec la communauté internationale. Car quand on parle de paix et de vies à protéger, il n'y a pas de rivalité ou d'intérêt particulier qui tienne. La France est le premier partenaire pour l'aide au développement en Centrafrique, avec 130 millions d'euros d'aide apportés chaque année ou avec des projets concrets. Paris devait livrer plus de 1400 fusils d'assaut et des véhicules amphibies à Bangui. Plus de deux ans après la fin de l'opération Sangaris, le pays reste contrôlé en grande partie par des groupes armés. Près de 200 militaires français continuent de former l'armée centrafricaine et d'appuyer la MINUSCA, la force de l'ONU.